Eh ben, ça a changé en tabarouette. Je sais pas là, mais ça c'était, moi je l'avais jamais vu là. C'était le garage à mon oncle Gilles. Ça a l'air qu'ils ont gardé le garage. Par contre, la maison, ça a l'air qu'elle a brûlé là, quoi? Deux ans? Il y a deux ans, la maison avec le petit toit rouge de mon oncle Gilles, elle a brûlé, puis ils ont fait un chalet. C'est très beau. Même que, on pourrait dire que... C'est un chalet maison. C'est, ouais, mais ils appellent ça un chalet, eux autres. Ah, ben, c'est mais, un méchant beau chalet. Ouais, ça change la place. Puis juste à côté, il y avait absolument rien avant. Il y avait juste la maison où ce que je restais avant. L'autre là-bas qu'on va voir tantôt. Là-bas, t'as Barachois. OK. Puis ils ont mis une petite cabane, là, je sais pas, touristique. Touristique avec des toilettes, blablabla. Puis la plage, elle a pas changé. C'est comme si je serais venu hier, puis elle est encore pareille. Encore avec les poteaux, les mêmes poteaux. Là-bas, ça tourne, puis ça s'en va jusqu'à la tête de sauvage. Plein de sauvage. Wow! Je me rappelle, j'ai couru souvent avec Mirka, moi. On avait du fun. Bien, on voit la traque de chemin de fer. Où est-ce que le train passe plus actuellement à cause des réparations des ponts, ça a l'air qu'ils sont rendus trop dangereux. Fait que ça fait une coupe de mois, sinon voir peut-être un an que le train passe plus ici. Moi, ben, on va aller voir la maison où je restais avant, qui était juste à côté ici. Il y a quelqu'un qui reste là. Ah, ils ont changé ça avec une porte patio au milieu de la baie vitrée qu'il y avait. Ouais, je reste là, ça fait longtemps, tabarouette. Check ça. Bien, mesdames, m'en va sur le bord de la maison. Check encore les petits chalets. Ben, mettons, c'est à vendre ça avec. Ils doivent vendre ça pour des pignottes. Hey, check ça. Hey, on allait dans le salarium en haut. Le matin, quand on se levait. Check ça. Putain, ça a tout été démoli en dedans, on dirait. Tu sais, c'est bien beau. Le monde en parle, mais on le voyait pas. On va bien le voir, là, si c'est vrai. Mais t'es pas obligé de venir jusqu'ici. Bon. Le 360 rue de la plage. Oh shit. Ouais, effectivement, ça a été démoli à l'intérieur. Ouais. Ça a été très démoli. C'est de valeur, pareil. Il pensait trouver un trésor là-dedans. Bon, il l'a pas trouvé, pour faire. Ben, s'il l'a trouvé. C'est pour ça qu'il vend. Hey, c'est tout démoli. Oh, les fenêtres, même les fenêtres sont démolies. La cuisine est à l'autre bord. Et barré. Ah, la toilette est rendue là. Ah, remarque, elle était peut-être là, puis je m'en rappelle pas. Bon, il y avait de la menthe. C'était ici. Ben, je sais pas. Ça, c'est des fraises. Il y en a plein. C'est des fraises, mais c'est pas le temps. C'est fini, ça. C'est pas fini, mais c'est pas commencé, je dis. Des fraises. Puis, regarde, la grange est plus là. Tu vois? Ouais, la grange était. Ah, ben oui. C'est ça a brûlé qu'il dit, je pense. Ouais. Bon, je pense qu'il l'a démoli. On voit encore comme un petit tas de bois là. Mmh. Est-ce que c'est vieux? Ben oui, il y avait une porte ici. Calisse! C'est plus une porte! Il n'y a plus de porte ici! Aïe, aïe, man! Fait que ça! Encore le compteur électrique. Bon. Et nous, on a fait le tour. Ouais. Mais non.
prend une autre toilette. Ça, c'est ta cuisine, t'avais le salon. Ici, là, ici, ça se posait, en tout cas, avec le salon. Il a vraiment tout démoli. Puis c'était beau en dedans, là. Ça s'est rendu laid. Il a pas pensé, hein, mais moi, je le sais, il est où le trésor? Hein? Il est dans le chalet. Il est en dessous du balcon. Il l'a même pas démoli, le balcon. Ouais. On dirait qu'il y a des morceaux de lettre. Là. Sa porte d'entrée. Regarde avec l'adresse. Ah, oh, attends. Le 360 rue de la plage. Puis le bleu, je me rappelle, avant c'était pas bleu, c'était comme, si je me rappelle bien, c'était comme un vert ou un vert délavé. Puis avant, il y avait ces chalets-là, OK? Mais il n'y avait pas juste ça, il y en avait deux autres, là. Ce qu'il n'y en a plus, là. C'était des chalets de bois rond. Oh, shit! Ils étaient beaux. Bon. Tu sais, regarde, c'est le nord, regarde. Les roches? Comment ils sont disposés? Ouais. Ça fait une croix sur le dessus des roches. Où tu vois ça? C'est comme s'il y aurait... Ici, là. Regarde, tu vois, il y en a une qui est disposée comme ça, puis t'en as deux petits bouts qui font. Ah, OK. Fait que c'est comme si ce serait un arbre, ça? Non, c'est toute de la roche. C'est une roche qui est en dessous aussi. Okay. Puis c'est toutes des roches qui ont été empilées. Il y a quelque chose ou quelqu'un. Ou quelque chose, je pense plutôt, ouais. Peut-être son animal, je sais pas. Ouais. Qui a peut-être été, quelqu'un qui a enterré. Disposé ici, ouais. 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 Ah ben. Probablement. C'est vrai que c'est bien bizarre. Hein? Ouais, c'est trop. Bien arrangé. Bien fait, oui, c'est ça. Il y a des roches, voilà. Là. Surtout par-dessus, là, c'est sûr. En tout cas, tu sais, quand on parle de maison hantée, celle-là, elle doit l'être. Il doit en avoir. Il y en a du passé là-dedans, là. Puis quand on touche à la construction d'une maison. Ouais. La plupart ouais. du temps, c'est vrai. Tu vois, la porte est ouverte en plus. Ah, ouais. Et l'autre en dedans est ouverte. Ah. À l'intérieur. OK. Si. Super. Ah, ben ouais. Comme si on est. On est invité à rentrer, mais on je pense pas que. Bon, ben non. Non, ça doit être trop dangereux aller en dedans parce que. C'est comme. Gars, il y en a d'autres roches, là. Ouais, mais ils sont pas disposés. Non, mais en tout cas. Les autres sont disposés. Bien bizarre. Ah, c'est à l'intérieur. Ah, oui? Oui. Du bruit? Oui. Pour vrai? Oui. Comme quoi? Ça a bougé, là, tu sais, comme. Ah, ouais. Quelque chose, une chaise qui s'est tassée, tu sais, comme. Et, en tout cas, ça a bougé. Ça a bougé? Oui. Quelque chose en dedans qui a bougé. Donc, il y a quelqu'un. Ou peut-être. Tu sais, il faut se dire qu'il y a des mulots, il y a ouais, des. Voilà. Il y a des bébites, tu sais, puis qu'ils sont peut-être rentrés là pour. Tu sais, ils sont bien là-dedans, eux autres. Mm-hmm. Même dans les petits chalets, là. Moi, je sais bien que j'ai. Ben oui, c'est sûr et certain que ça, des mulots décidés ça, ouais. C'est clair, là. T'sais. Il va en avoir, des bébites. Ou bien, il me disait, quand j'ai dit on est invité à rentrer, ouais. Peut-être que dans le fond, il me disait non, vous n'êtes pas invité. Fait que ouais. Cric. Cric, cric, cric. Tiens, laisse faire. La visite d'une vieille maison familiale abandonnée a des répercussions inattendues pour un jeune couple. Sans le vouloir, ils ont ramené chez eux des entités décédées dans des circonstances nébuleuses. Vie parallèle, jeudi 21h à Canal D.